Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde, ou sous TAC 609, tout haïtien connecté, ou dans l'émission Mon Éditorial. Martine Moïse, ancienne première dame, n'a refait surface. Li dévoile les doutes li, inquiétude li de enquête qu'a mené sur assassinat Maril, ancien président Jovenel Moïse. Maintenant, est-ce que doutes li au fondé? Est-ce que j'en demande pour FBI camper pour Haïti, camper avec la justice haïtienne, camper avec la police? Est-ce que FBI capote résultat? Est-ce que Jovenel Moïse en phase pour le jeune justice ou bien même Martine Moïse pas gain confiance dans le système judiciaire haïtien qui estimait que ça qu'a fait là c'est corvillier. Renald Georges, ancien conseiller président Jovenel Moïse, ami allié pouvoir PHTK, eh bien depuis quelque temps là, li en rogne contre président Jovenel Moïse et même après la mort Jovenel Moïse, li servi cadavre là en persécution. C'est avocat défenseur Jean Laguel civil, youn présumé assassin ancien président. Eh bien là, hier, yo était dans la cour d'appel Renald Georges avec consort yo. Yo gon procédure en habeas corpus que yo était commencé qui a continué là pour demander libération ancien coordonnateur sécurité présidentielle là. Est-ce que Renald Georges a bien une bataille judiciaire ça et qui conséquence ça pral gagner pour déroulement instruction dossier. Finalement, nous pralouais, premier ministre Ariel Henry, qui réussit côté un pilote échoué. Il réussit craser l'opposition politique là. Maintenant, pas jamais gagné un fait, qui va gagner conséquence. Qui conséquence en division, monsieur Damzaïo pral gagner sous stabilité politique pays. Rete là, n'a pas tourné, non y'a un petit moment. Avant de commencer dans l'émission pour aujourd'hui, quittez me prendre un petit temps pour me remercier nous pour support nous pour contribution nous dans travail cela nous camper derrière travail là nous pas jamais suspendre encourager travail là un grand merci pour nous et m'a encourager nous tout continuer à abonner à channel là inviter en famille inviter en amis pendant m'a informer nous pendant m'a chercher bon gens information venir aider nous comprendre réalité politique de notre pays faut m'a chercher bon produit bon médicament bon traitement pour nous tout et pourquoi pas et bien jodi là moi gen deux produits m'vinn présenter nous bagay sérieux net pas gen maintenant ça un pommade qui rele Genzouti. Son pommade 100% organique qui permet tout rallonger pénion. Ha, ça t'a dit ça. Donc monsieur madame nous sauver. Donc pas gen question plaignez et outil monsieur ali piti li kout la bay problème non. Genzouti là l'a aidé au. Entre 30 à 90 jours ou après 3 à 5 cm. Plein fini corvée fini d'ailleurs il pas gain effet secondaire c'est produit tout en fait naturel 100% organique et d'ailleurs tout le monde qui servi avec tout garçon entre 15 à 75 ans ou qu'a utiliser Genzouti et ou joindre bon genre résultat d'ailleurs pommade la parler de déjà pommade la parler pour tête déjà deuxième produit li rele Genbon son pilule qui fait à base de 13 plantes naturelles li la li même la pour revitaliser quoi la pour augmenter libido la pour augmenter érection la pour augmenter bon nous d'ailleurs non parler de li Genbon kounya ou ka prend médicament ça ou a gen bagay nan mon pour frapper. Donc, monsieur dame, pas nan fè kove, pas nan fè kove à la, parce que gen produit pour ou mpote produit pour ou ka rele nan 37-55-46-06 sou en Haïti, 37-55-46-06 sou en Haïti, ou bien tout sou nan international, ou ka rele nan 514-886-97-76, 514-886-97-76, ou bien visitez website là pour plus facile, www.zestofmoringa.com, zestofmoringa.com. Ou regardez là qui passe dans l'écran, rele écrit, mes amis, al prend produit yo, ou ba moins résultat yo nan bon ti manite. Martine Moïse, dans une interview li bay agence Reuters, li pa caché doute li, inquiétude li gagne et même aspiration politique li gagne tout le pa caché. Parce que m'ai l'impression Martine Moïse vini pour vinn dévoiler l'île.
dévoiler ça le gagner comme inquiétude, dévoiler ça le gagner comme appréhension pour le venir sous scène politique là, parce que li estime ça qu'a fait là, enquête qu'a mené, instruction dossier qui ouvri, travail qu'a continuer pour li pour qu'on gagne un sérieux qu'a réglé. Parce que jusqu'à date pour Martine Moïse, exécutant qui en bas met la police, exécutant qui en bas met la justice là, yo poko on virgule nan cas d'enquête là, yo poko on virgule nan moun ki gen responsabilité sous la mort ancien président Jovenel Moïse. Et nous pral comprendre que vraisemblablement des millions de dollars qui étaient dépensés pour assassiner président Jovenel Moïse, des millions de dollars qui dépensés pour mettre complot en phase d'exécution. Maintenant, est-ce que Colombien, moi-même, j'aime toujours un médecin, est-ce que Colombien était qu'à sauter dans le pays pour dire qu'il envisageait pour assassiner président Jovenel Moïse? Pour qui ça c'est président Jovenel Moïse? Parce qu'il a été commandité. Pour qui ça c'est président Jovenel Moïse? Parce qu'il y avait un demandeur, il y avait un donneur d'ordre. Donneur d'ordre, ça aurait les auteurs intellectuels, qui est sur eux? Certes, ils ont arrêté plusieurs individus, ils ont arrêté Emmanuel Sanon, ils ont mis à vie de recherche des Joseph Badjo Félix, ils ont mis des Joël John Joseph. Mais entre-temps, est-ce que monsieur Sayo, il a gagné assez l'argent pour te commanditer un assassinat? Est-ce que monsieur Sayo a gagné assez ressources pour te commanditer un assassinat? Pour te commanditer un assassinat, un président en fonction. C'est pas un ancien président qui livre à lui-même sa sécurité, son président en fonction qui bien gardé, bien sécurisé. Donc, je dis là, nous prenons comprendre que inquiétude Martine Moïse yo fondé, doute Martine Moïse yo fondé. S'il était aussi facile pour assassiner président Jovenel Moïse, un président en fonction, un président qui bien sécurisé, qui gagne des dizaines, des vingtaines de gardes du corps de sécurité présidentielle avec. Et c'est là que nous prenons comprendre que sa cerveau, sa hauteur intellectuelle, lui était qu'à offrir comme garantie, lui était qu'à offrir comme acquis, lui dépassait largement sa tout agent sécurité, sa était qu'à gagner, sa tout monde qui participait dans le complot, était qu'à gagner comme attente. Donc, je dis, un complot pour assassiner le président Jovenel Moïse, c'est pas un simple complot, c'est pas assassiner un simple citoyen, c'est assassiner un président, et c'est assassiner un président en fonction. Pour qu'il s'arrête pas tant le président Jovenel Moïse quitter le pouvoir pour assassiner si son bagage personnel. Assassinat président Jovenel Moïse, il n'a rien de personnel. Son assassinat, son complot qui est justifié par les besoins politiques, par les besoins de satisfaire des intérêts économiques. C'est deux bagages ça qui rentrent en ligne de compte. C'est deux bagages ça pour nous prendre en considération aujourd'hui. Et au cas tant des quantités tollées, quantités scandales qui gagnent et dans la sphère politique là, et des séries de monde indexés qui gagnent influence économique en dedans pays. Mais je dis, est-ce que ça suffit? Est-ce que indexer telle personnalité, telle figure économique, telle figure politique suffit? Pour moi, personnellement, pas suffit. Parce que faut que la justice enquête, faut que la justice rive et détermine culpabilité au monde ou bien innocent sur l'autre monde. Nous pas qu'à seulement abdire tel, pendant que la justice pas travaille sous dossier tel, là, la justice pas travaille sous telle personnalité ou bien sur l'autre. Jodi en la travail, là, son travail de justice pour lier, son enquête judiciaire qui pour déterminer culpabilité chaque grain de monde. Et dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, il y a un paquet de monde qui est impliqué certainement. On pa ket moun ki gen l'argent qui implique certainement. On pa ket moun et intérêt ou menace qui implique certainement. Mais faut que nous pas oublier tout. Il y a le côté transnational du crime. Pour qui ça c'est colombien? Et déjà on attendait et le New York Times a écrit article comme quoi est-ce que assassinat président Jovenel Moïse li pa gen pouwè avec un trafic de stupéfiants, li pa gen pouwè avec cartel de drogue, etc. Donc li extrêmement important qu'on ensemble d'éléments d'information pour nous prendre en considération. De même toujours dit à là la déclaration faite pour Odiote joine passer 40 millions de dollars américains la caisse président Jovenel Moïse. Martine Moïse réagit sur ça. Président Jovenel Moïse, li son homme d'État, son chef d'État, Will de gen l'argent la kali, mais Martine Moïse fait comprendre que qui boit 48 millions de dollars à ta pral siri? Qui pièce yo ta gen assez sécuritaire pour yo ta mette 48 millions de dollars?
Donc Martin Moïse démenti rumeur ça qui a circulé comme quoi mercenaire yo te konn ça yo te vin chercher ka président Jovenel Moïse qui ta 48 millions de dollars. Donc je dis à la gon ensemble d'éléments de formation, gon ensemble d'éléments qui préconstitué qui pour dévio dans cadre enquête là. Yo utilisé comme rumeur, yo utilisé pour yo et diviser opinion publique là, pour yo partager opinion publique là, mais on même faut qu'on comprenne que dans ça gain pour avec enquête, dans ça qui gain pour avec dossier assassinat président Jovenel Moïse, tous les moyens sont bons, gon groupe moun qui là, gon usine qui là. Qui pour fabriquer preuve, qui pour détourner opinion publique là, qui pour diviser, qui pour faire comprendre réalité à l'autre gens. Et on pral comprendre vérité, hein, c'est le juge d'instruction commencer travail tout bon là, c'est le commencer avec audition tout monde qui impliqué, tout monde qui ont présomption de culpabilité tout dos, tout monde yo té apprendre qui té non réunion non moment bien l'autre, yo commencer inviter. C'est là ça nous pral connaître quantité monde qui té au courant de assassinat. Et c'est là ça tout nous pral connaître quantité malhonnête politique qui gagne dedans pays. Ah oui. Pour Martin Moïse, c'est évident que pas gain sérieux qu'a réglé là. Et c'est ça que fait li renouveler demande li pa bon côté agence internationale FBI pour venir garder comment yo ka participer dans enquête là pour yo venir d'elle. Parce que si c'est justice haïtienne, si c'est autorité haïtienne yo seulement qui la gué pour quoi yo pour chercher auteur intellectuel, pour chercher assassin, pour chercher assaillant et qui touye président Jovenel Moïse, on est pas besoin fait parce que li estime moun sa yo ki tellement influent qui tellement gagne l'argent qui t'est arrivé payer pour tuer Maril, yo ka dévié la justice, yo ka détourné et travail autorité judiciaire yo. Est-ce que le pas possible? Est-ce que le pas faisable? Déjà nous connaît comment système judiciaire dans pays nous fonctionne, nous connaît comment tout bagaille marche. Donc on pas dit tout juge est susceptible de corruption, on pas dit qu'a compte tout le monde, mais cependant nous connaît pratique là, nous connaît malversation côté au chita, côté au caché quoi dans pouvoir judiciaire là, c'est pas impossible. Mais tout, est-ce que c'est FBI qui a venu changer quoi que ce soit dans données ou là? Est-ce que c'est FBI qui a venu travailler de telle sorte que président Jovenel Moïse une justice? Moi, je crois fermement, si l'international pas avlé à ce que président Jovenel Moïse une justice, li pa une justice. Si il y a des complices dans l'international qui connaissent ça que fait là, président Jovenel Moïse pas une justice. Il y aura toujours des boucs émissaires, il y aura toujours des présumés auteurs intellectuels, il y aura toujours des présumés exécutants, mais vrai c'est vous nous pas jamais ka joindre yo parce que jodi an la justice président Jovenel Moïse li dépend exclusivement de sa blanc vle li dépend exclusivement de sa l'international vle et pour qui ça c'est parce que la caille nous pas un système judiciaire indépendant certes nous gen trois pouvoirs l'état qui prétendument et trois pouvoirs indépendants une pas empité sur l'autre c'est faux c'est archi faux parce que jodi an la tout ça qu'a fait dans pays d'Haïti c'est décision blanc c'est prise de position blanc qui détermine elle parce que Haïti son pays qui sous tutelle de la communauté internationale il y a le corps groupe il y a le BINU donc yo tout côté pression étrangère en li tout côté li vini de toute part pour Haïti. Donc jodi an la justice président Jovenel Moïse li dépend de sa moun sa yo ka vle. Mais en aucune façon, c'est pas ça enquêteur haïtien yo pral ba nou, c'est pas ça autorité judiciaire haïtienne yo pral ba nou là qui pral di se vérité tout bon. Parce que jodi an un groupe moun ki décide de mettre ensemble pour assassiner un président de la République, c'est parce que quelque part yo te gen garanti. Exécutant yo te gen garanti et auteur intellectuel yo, même j'ai auteur intellectuel yo, gon garanti que on l'autre groupe moun ba yo. L'autre groupe moun sa yo ki est yoye. Donc complot son complot en chaîne lié, son complot en cascade lié. Joine youn pa vle di w ap joine tout, joine deux pa vle di w ap joine tout. Parce que gen moun ki bien protégé, gen moun ki bien couvri. Donc président Jovenel Moïse mouri, li mouri, la famille présidentielle a perdu. Yo perdu un papa, yo perdu un frère, yo perdu un mari, yo perdu un ami, un proche. Pays a perdu un président. Malgré opinion publique là t'est divisé sous travail président Jovenel Moïse t'a fait sous et manque de responsabilité t'est gain etc. Mais pays a perdu un président. Haïtien perdu et chef d'État, yo perdu premier décideur nation. C'est aussi simple que ça.
Mais est-ce que ça a empêché nous avancer? Non, ça pas empêché nous avancer. Et c'est dans souci ça, Martin Moïse dit décider annoncer que ligue non seulement et dans l'autre interview il était con baillo, il était gain aspiration, il était gain envie, mais là il gain volonté. Il conclut pour peuple haïtien, il gain volonté pour venir participer dans l'élection qu'a gain pour faire. Et c'est une raison qui fait lui demander à ce que Ariel Henry pour rapide vite organiser penser avec élection, penser à organiser élection parce que lui-même lui voulait venir continuer travail Marie il t'a fait dans notre pays. Donc voilà. Très prochainement là, nous prajouons Martin Moïse qui déterminé, qui plus que déterminé pour venir continuer vision politique Maril, pour venir continuer idéologie Maril à travers réalisation là bien pour le faire. S'il t'a élu président, et nous même travail nous a toujours continué pour nous venir donc comprendre programme politique Martin Moïse, pour nous venir donc comprendre vision politique Martin Moïse, pour le projeter par la population haïtienne, pour le projeter par les peuples haïtiens, parce que nous pas qu'à seulement contenter nous pour n'a parler pour n'a et dit voilà mais qui ça Martin pressenti poste présidentiel il pressenti pour venir continuer travail Maril c'est que nous pas aider comprendre différents jeux politiques qui cachaient des décisions ça que Martin Moïse prend et me garantis nous sont décisions qui bien réfléchies parce que déjà une fois que Martin Moïse annonce le sous scène politique là nous prenons une différentes organisations structures politiques qui ont même pral commencer regrouper soit pour courir Martin Moïse ou bien pour monter secteur opposition yo, pour choisir l'autre candidat qui pral venir affronter Martin Moïse et dans prochaine élection qu'a bien pour réaliser en lieu d'un pays ya. Me garantis nous non seulement bataille la pral serré et pral gagner tout parce que Martin Moïse même li pral déterminé pour venir attaquer monsieur yo, si toutefois li taille lui dans élection yo et son vengeance politique li pral lié ça me garantis nous li clair son vengeance politique. Est-ce que l'a réussi? Est-ce que l'a pas réussi? L'avenir nous dira le reste. Maintenant, non ça qui gagne pour avec Maître Renaud Georges, ancien ami, collaborateur, conseiller, allié pour voir PHTK, bon ami président Jovenel Moïse. Eh bien, depuis même avant été assassiné président Jovenel Moïse, nous Renaud Georges même, il était fait partie opposition politique, il était fait partie opposant farouche pour voir PHTK. Pour qui ça? Parce que il était gon malentendu, il était gon désaccord avec président Jovenel Moïse sur des sujets d'intérêt personnel. Et nous pral comprendre raison qui fait Renaud Georges et consort choisi lui-même pour le défendre et Jean Laguerre Civil ancien coordonnateur sécurité présidentielle là, youn nan moun yo accusé, youn nan présumé coupable de assassinat président Jovenel Moïse. On dirait que même après la mort Jovenel Moïse, Renaud Georges li rete attaché avec haine, avec mépris le gagné pour citoyen. Nous pral comprendre dans ça qui gagne pour avec politique, pas gen zanmi ta vrai. Politique là c'est intérêt personnel. D'autant ka bay moun nan privilège ou ka bal garantie pour jouir li ses zanmi on. Mais d'autant retirer zo nan bouchi la peine nous la mi farouche jusqu'à la mort. Et c'est ça qui arrive entre président Jovenel Moïse et Renaud Georges jodi. Ça que t'as dit Renaud Georges t'a changé quand ça que t'as dit Renaud Georges t'a défendu moun qui impliqué dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Eh bien hier, yo t'es devant la cour d'appel, yo t'a demandé libération Jean Laguerre Civil. Bon, quitte nous garder ça que t'as fait, ça que t'as dit yo et puis m'a retourner après pour commenter yo. Je pense que tribunal première instance te baille en tant que dans siège et juge habeas corpus là, nous même et n'importe qui monde qui ka réfléchi, ka wè son bagage qui pas normal, ka wè son bagage qui son violation de droit aux citoyens haïtiens qui c'est client nous Jean Laguerre Civil et parce que arrestation faite de manière illégale, li fait en dehors des normes de la loi parce que commissaire gouvernement pas gain droit pour les mettre en mandat d'amener dans circonstance ça yo, pas de gain flagrance 12 jours après fait que soi-disant yo mettait sous dolio et yo décidé mettre en mandat d'amener alors que il était fin collaborer, il était finalement dans DCPJ, il bail déclaration, il subit de nombreuses heures d'interrogatoire pour contribuer dans l'enquête là, mais après ça bon pour des raisons que nous pas qu'a dit que nous pas connait, yo décidé mettre en mandat d'elle, même j'ai eu mettre mandat d'elle en pile monde et puis yo non, nous t'a dit non tentative presque de plongaille et puis depuis lors il était dans premier temps dans commissariat d'Elma après ça yo vinn transférer le même dans pénitencier national pour qu'on y a yo déplacer encore ça c'est jouable jouer avec l'avion citoyen honnête qui t'a servi pays fidèlement et honnêtement
et donc et nous obligé rentrer dans une situation pour nous interjeter appel contre décision ça qui pas reconnaître violation la loi que client nous en victime et donc et nous plaider ça nous exposer pour coup d'appel là jodi à gens que la loi citoyen ça a violé et gens juge habeas corpus dans première instance là pas décider en fonction de la loi et conformément à la loi et kounya n'attend et nous espérer que coup d'appel a gain plus l'esprit et a plus penché sous la loi parce que c'est la loi seule qui suppose un boussole au tribunal et la justice pour remettre Jean Laguel civil en liberté, Jean la loi, la constitution et droits fondamentaux, droits moun doit prévoir. Commissaire gouvernement qui s'est parti adverse dans quatre dossiers ça, t'a essayé faire des tactiques dilatoires pour essayer continuer persévérer dans violation droits moun ça et mais kounya n'a pas obligé tant parce que coup d'appel là on a ordonné dépôt des pièces, ce que nous pral faire là tout de suite, nous pas perdre du temps nous-mêmes parce que nous reconnaître urgence dossier ça. Et puis, nous avons souhaité que dans un délai qui tout petit, qui tout coûte, vu l'urgence, le coup d'appel à promettre une décision en fonction de la loi. Eh bien là, nous avons un avocat de la guerre civile. Et avocat de la guerre civile, nous avons gardé là, c'est petit Renan Georges. Donc, tu as une procédure, tu as une action en habeas corpus que tu as intenté pour demander libération. Action ça, tu as intenté dans le cadre de détention illégale, détention arbitraire. Avocat de la guerre civile, tu estime que tu es mal arrêté de la guerre civile, pas de flagrance, etc. Donc, de la guerre civile, il n'est pas supposé dans les lignes de la prévention. Il n'est pas supposé et privé de liberté, etc. Maintenant, dossier arrivé non phase, côté que juge cour d'appel yo, mandé avec avocat Jean la guerre civile yo, pour yo déposer dossier yo dans greffe cour d'appel là, en façon pour yo analyser dossier yo, étudier dossier yo, etc. pour yo wè oui ou non, est-ce que yo ka libérer Jean la guerre civile. Mais moi-même, ça me comprend. Jean la guerre civile, c'est une pièce maîtresse enquête là. Donc, de ce fait, décide on pral libérer Jean la guerre civile, on pral mettre Jean la guerre civile en liberté, là pour entrave avec instruction dossier. Et c'est une des raisons qui doit pousser juge d'instruction travail rapide vite sous dossier pour connaître ce que a inculpé Jean la guerre civile et qui charge d'accusation à mettre sous dol. Parce que si on t'arrive dans cour d'appel ou tendez yo libérer Jean la guerre civile, ça ca privé. Jean la guerre civile nous passer la prison pays, il a sauvé et depuis le sauvé, youn nan moun yo mettez responsable comme moun qui t'a distribué l'argent, comme moun qui t'a soudoyé agent de police, comme moun qui t'a soudoyé garde de sécurité présidentielle, comme moun qui vraiment contre complot comme monde qui participe dans complot donc on monde comme ça je dis là faut que la justice gagne yeux sous lui et nous pral comprendre qui étude Martin Moïse à chaque phase de procédure yo à chaque phase d'enquête yo parce que dans moment nous rivé là dans ligne nous rivé là gagne moun yo pral travailler pour yo faire yo sauver gagne moun yo pral travailler pour yo faire yo marron. Donc là, le plus vite que possible, juge d'instruction, li ka travay, pour commencer à inculper monsieur Damza, pour commencer à marier, pour tout bon, pour le déférer devant tribunal compétent, li a pi bon, pour déroulement enquête, la pi bon pour déroulement dossier, la pi bon pour la justice. Et jodi an là, nous revenons en phase, n'a questionné tête nous, qui côté justice président Jovenel Moïse a sorti, parce que nous-mêmes, nous pouvons wèl là sous béton, hein. Tout moun a fait, tout moun a cherché protéger moun pa yo, tout moun a chercher protéger intérêt par eux parce que nous non cercle vicieux. Ah oui, la justice nous est divisée aujourd'hui là, c'est résultant mauvaise gestion qu'a fait notre tête l'État. Nous avons trois pouvoirs l'État, nous avons trois pouvoirs qui tournent en seul pouvoir. Comme on parle mande de justice aujourd'hui hein, pendant que nous pas de travail pour justice ça marche bien. Comment on peut demander justice alors que nous pas responsabiliser nous? Alors que, gagnons un ensemble de mécanismes, nous t'es supposé respecter, gagnons un ensemble de principes, nous t'es supposé respecter, nous pas jamais choisi, fil. C'est normal, je dis, on nous vient trouver, nous, non spirale, côté que, gon groupe moun qui veulent pour président Jovenel Moïse jeune justice, gon l'autre groupe qui travaille dans le pouvoir judiciaire, tout cap boycotté et procédure, là, cap boycotté processus, ça. Parce que nous diviser la justice, nous diviser droit pouvoir l'État, à seul profit nous, nan profit un petit groupe moun qui prend pouvoir l'État, comme bien maman, comme bien papa. Yo. Nous connaissons qui l'on a pour nécessité pour une justice forte en dedans pays. Hein? C'est là nous toucher par problème. Yo. C'est là nous-mêmes nous n'embouche problème. Nan. C'est là nous-mêmes nous frapper. Nous frapper par négligence, nous frapper par impunité, hein? Nous frapper par des circonstances que nous pas de prévoir.
laisser en conscience extérieure de volonté nous et puis là ça nous pas la nécessité pour nous renforcer le pouvoir judiciaire là pour nous renforcer la justice mais peut-être là ça l'a bien trop tard et c'est dans Joubari ça oui président Jovenel Moïse prend là et c'est dans impunité ça président Jovenel Moïse sous victime là tout une deuxième fois donc voilà pays n'a fait voilà vision nous gain pour pays hein et mes côtés nous rivière pays tout l'arrivé l'on gon pays côté que la justice pas travaille ou gon pays côté que la justice pas fonctionne nous pas gain pays c'est la caï moun n'a pour pays c'est la caï moun n'a pour justice c'est la caï moun tout pour nous réclamer justice mais la caï pas nous d'autant nous pas prendre conscience que nous participer dans craser pays dans craser institution l'état pendant nous c'est chef pendant nous c'est autorité pendant nous c'est décideur de l'état pas jamais gagner cap marcher parce que conscience ça n'a pas gagné. Et c'est dans l'objectif, ça, c'est dans l'idée, ça, tout. Pendant que nous, premier ministre Ariel Henry, l'y réussit, quand on paquet l'autre échoué, l'y réussit diviser l'opposition politique, là, parce que chaque nexa, y'a un zone en bouche, moun qui était vraiment influent sur scène politique dans l'opposition, nous, y'a calmé, y'a pris en retraite, y'a battu en retraite. Moun, ça, y'a, jodi an la moun ki te en ban yo pépinière pa yo t'ap grandi parce que l'on peut prendre exemple moi même toujours prendre exemple ça et soi-disant secteur démocratique populaire qui c'est une et nan force opposition politique là en dans secteur démocratique là t'ai plusieurs autres petits pépinières t'ai plusieurs autres nèg qui yo même gè ti regroupement ti organisation politique yo le zo a tombé nan bouche grand monsieur ça yo André Michel Lionel Cassio moun sa yo ki en bas ki poko joine yo pral créer trouble tout yo pral relé au boycott tout koun yo vinn trouve nou situation le PM Ariel Henry fin négocier avec grand tête yo pral vinn obligé nan négocier avec moun ki en bas yo négociation sans yo so bay nèg yo comme garantie so bay nèg yo comme bien so bay yo comme satisfaction parce que ti nan poche c'est l'argent peuple lié c'est l'argent pour satisfaire besoin population haïtienne non l'on prend l'on distribuer comme si c'était bien privé lié pour satisfaire nèg pour nèg gabo la paix qui so pral décider OK ou décider au payer tel silence ou payer tel retraite ou payer tel et pour le bail payer un minimum de stabilité stabilité ça compte pour combien temps lié parce que faut qu'élection organisée dans pays hein faut gagne élection dans pays hein c'est vrai tremblement de terre la vie met en rupture mais faut Ariel Henry penser très prochainement là 7 février 2022, ta supposé qu'on président légitime dans tes pays. Donc Ariel Henry cap organiser transition en silence, cap organiser transition de manière cohérente là, n'écraser opposition politique là. Faut Ariel Henry penser tout, lui-même li pas vienne faire vieux jour sous pouvoir. Ariel Henry pas vienne kembe et primature, il pas vienne kembe tête l'état, tête pays pour un nombre de temps indéterminé, pour combien de temps Ariel Henry là? C'est la grande question parce que nous-mêmes n'a cherché stabilité c'est à travers la légitimité liée et c'est peuple qui bail légitimité c'est à travers les élections donc je dis peu importe si y a un tremblement de terre qui se passe là faut que nous organiser nous faut que nous organiser comment nous pour retirer moun yo et non vulnérabilité oui là faut nous garder comment nous pral accompagner moun qui frappe par tremblement de terre dans sud là pour nous tout penser comment nous pral organiser élection qui ça nous pral faire parce que déjà t'es gen projet référendum t'es gen projet pour changer constitution t'es gen projet pour remettre camper un nouveau conseil électoral et provisoire qui ça Ariel Henry décider parce que jusqu'à date Ariel Henry pour que j'en prononce l'Ariel Henry était fait monter Ariel Henry était commencé par les deux référendum non OK l'a continué à référendum non mais jusqu'à date nan ki point nou y avec travail comité consultatif indépendant est-ce que projet nouvelle constitution li toujours là qui ça peut pas ici doit attendre yo qui espérance ou peuple haïtien parce que bam di nou pendant Ariel Henry a divisé opposition pour mettre camper transition ça c'est transition pas la montée mais maintenant à travers transition la montée qui ça l'envisager pour peuple haïtien parce que peuple li même c'est élection envisager. Pendant nous t'ap di nous pas vle transition avec opposition politique là, nous pas vle transition avec bonne volé qui constitue opposition politique là, c'est pas di nous dit tout, nous d'accord pour Ariel Henry vinn mettre campé en transition
un an, deux ans dans tête pays sans pas organiser élection, non? Ah non, nous pas d'accord. Nous pas accepter comme ça parce que Ariel Henry li là pour faire continuité. Ariel Henry li là pour finaliser ça que t'es gagné comme projet, organiser élection, passer mayette là-bas un président démocratiquement élu. Donc si Ariel trouve l'impossibilité pour le faire travail ça que Ariel Henry dit très clairement et là ça n'a pas connait qui décision pour nous prendre, n'a pas connait qui ça pour nous demander. Parce que jusqu'à date là c'est démagogie, c'est gargote politique qu'a fait là, c'est un gargote économique, faut nous connait des millions de dollars qui bail pour reconstruction Grand Sud là, des millions de dollars d'aide qui bail et des millions de dollars c'est prêté. Donc l'argent pas qu'à gargoter comme ça. Nous en situation d'urgence et depuis qu'il y a urgence dans pays ça, depuis état d'urgence décrété dans pays ça, c'est l'argent qu'à gargoter, c'est l'argent qu'à gaspiller et puis devant qui est-ce qui va le payer conséquences? Qui est-ce qui va le payer pour casser? Nous autres haïtiens. Donc faut nous vigilants, faut nous réactifs. Et même je nous pas d'accord prendre Anana pour Suzanne dans mes opposition politique là, nous pas Kevin prendre Anana pour Suzanne dans mes Ariel Henry soi-disant qui ont certaine légitimité. Légitimité en s'il quitte 7 février 2022 passé, il pas été organisé élection mais mon premier tour dans élection. Ariel Henry l'a perdu légitimité le gagnant, l'a tombé même genre avec tout l'autre nègre qui t'a bataille pour transition, l'a tombé non démagogie, l'a tombé dans l'illégalité, dans l'inconstitutionnalité même. Eh bien là, créole par les créoles, comprenez? Ariel Henry gen de quoi nan mel, li gen de quoi nan mel rapide vite pour le penser qui moyen yo pral mete d'application là pour regarder comment yo ka planifier élection, comment yo ka planifier et causer référendum là pour une nouvelle constitution pour yo avancer. Parce que amuser ou la diviser opposition politique, mettez bataille nan mitan monsieur yo, li bon parce que peuple là ouais effectivement côté le camper avec nèg sa yo, mais tout c'est l'argent, c'est temps, c'est énergie qu'a gaspillé avec un groupe monde qui pas utile pays hein, qui pas utile société haïtienne en merde. Donc là, nécessité hein, c'est l'urgente nécessité pour organiser les élections, l'urgente nécessité pour accompagner victimes tremblement de terre 14 août là et l'urgente nécessité pour nous comment nous pral mettre stabilité politique en dedans pays. Moment arrivé pour mettre un bout dans l'émission mon éditorial pour aujourd'hui, c'est sûr qu'on va prendre un pile bagaille. Eh bien, principe là, il pas changé, continuez à regarder vidéo, partagez vidéo avec tout contact ou quittez un commentaire, quittez un like. Rendez-vous à l'icasse pour demain sous même chaîne, dans même lieu. Dernière co-présentation, c'est toujours même Yannick, la même voix, il n'y a pas changé. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel Paula pour qu'elle bien informé avec Yannick. Mon éditorial. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.